Hey, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez pas laisser un peu la radio ici, on s'attend plus. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà, il s'agit de mon beau-frère. Il est mort. Oui, et vous voulez le voir? C'est-à-dire que c'est assez délicat à expliquer. Mais pas du tout, votre beau-frère est mort, vous voulez le voir, c'est tout ce qu'il y a de facile. Comment il s'appelle? Le roi, bon. Le roi, non. Il n'y a pas de mort à ce nom-là. Mais pourtant, écoutez. Mais puisque je vous dis qu'il n'est pas là, s'il était là, je vous l'aurais laissé voir. Et moi, je vous dis que le cercueil a été déchargé du bateau en fin d'après-midi. Et que le convoi ne reprend la route que demain matin. Donc il est là. Ben, il fallait le dire tout de suite. Alors, il doit être par là. Rappelez-moi son nom. Le roi. Et où est-il mort? Istanbul. Oui, quel département? C'est loin d'ici, je sais pas. Bon, eh ben, on va le trouver, ça. Si mon patron se pense ça, gare Paris, non plus. Ah, du point là, non, j'aurais dire que non. Ah, le roi Saint-Omer, voilà. Voilà. Seulement, vous pouvez pas les voir. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que... Bien, je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui sont dans le frigo, vous pouvez les voir. Ceux qui sont dans la fosse commune et l'amphi, vous pouvez les voir. Mais pas ceux qui sont là. Et pourquoi? Parce que c'est des convois privés. Ils sont sous la responsabilité de la compagnie des pompes funèbres. Ces cercueils sont en transit. Nous, on expédie tous les jours, partout et dans toutes les directions. Tenez par exemple celui-ci. Eh bien, c'est un voyageur de commerce. Il est mort aujourd'hui à Calais. Il doit être dirigé sur Bapaume où l'enterrement aura lieu demain après-midi. Absolument que je vois le corps de mon beau-frère. Mais ça ne dépend pas de moi. Je vais voir le directeur, mais je doute fort que... Je vais faire Bien sûr. Vous voulez pas voir un de ceux-là? Non.